C'est bon. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Bravo, merci. Bon, allez, c'est une fin de tournage. Bonjour. Donc voilà, on a fini la vidéo. C'était fouf, intense. La vidéo Archibari. Bon, bah du coup, on est des tout. Donc, moi je vous mets ça déjà. Hein, ça commence à picoter. Voilà, hop. Oh. Oh. Donc, on a fait une vidéo Archibari que nous venons de terminer. Avec Laurent qui est en train de faire du striptease. Voilà, le petit bonus de fin de tournage du striptease de Sensei Laurent. Voilà. Comme vous avez vu, dans l'archivari, il ne faut pas trop serrer les cordes trop fort, ouais. Hyper important. Et votre pratique des cordes, justement, c'est pas un petit peu dangereux? Mmh. Oh, il est vrai. Non, c'est que je suis obligée de la regarder. L'aimable participation d'Olivier, qui fait le journaliste et qui nous reçoit chez lui pour tourner. Voilà, journaliste, assistant, esclave personnel du réalisateur, cuisinier, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez dans les cordes? Il y a un doigt, ciao, ciao. Bye, ciao, ciao. Je m'en suis aperçu, là, quand même. Mais toi, tu respires pas, mais pourquoi tu respires pas? Sur le second degré. Si nous, ça nous a fait marrer. C'était super sympa. C'est une fin de tournage. Non, pas une fin de tournage. C'est une presque fin de tournage. C'est une fin de tournage pour Valérie avec toutes ses répliques. Voilà. Si ça vous a pas fait marrer, c'est pas grave, mais ça reste du second degré. Donc, ou bien c'est du sarcasme et c'est du second degré, ou bien c'est de l'ironie et c'est du second degré, ou bien c'est humoristique et c'est toujours du second degré. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on espère que ça se voit suffisamment quand même. Que c'est de la plaisanterie, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Oh, dis-moi ça! Et on va ça! Ok! C'est bon? Non, mais on va y aller quand même! Allez! C'est quoi, ta gueule femme? Non, quand même pas! Vous avez le droit de pas rigoler, vous avez le droit de dire que c'était pas marrant, hein, ça ne nous dérange pas! Hein. Alors moi, Par contre, ça m'embête si vous dites que c'est pas du second degré. Donc c'est pas parce que c'est pas marrant que ça ne reste pas du second degré. Je tiens à préciser! Voilà. Je tiens à préciser, mais c'est possible d'en placer. Non, voilà. Femme, tais-toi. Alors, oh, bon, on était sur le second degré, bon sang. Voilà du premier degré, alors maillot. Je tiens donc à préciser. Non, papa, voilà. Que, effectivement, je ne dis pratiquement rien de toute la vidéo et que ça me va très bien parce que je suis absolument pas comédienne. Ça me va. Ça correspondait très bien à ce qu'on voulait faire et ça me convient parfaitement. Ok, en fait, il y a le maître et le modèle n'a pas de nom. Mais c'est bien. C'était ça. Que je voulais, non, d'accord. Le mettre avec son nom à rallonge machin et la modèle qui a pas de nom, c'est parfait. On mettra plein de liens dans la description, mais comme d'habitude. Là, quelque part. Ils sont là, les liens. Donc avec qu'est-ce que ça veut dire en chinois, des sous-titres, des descriptions, des bonus, bagnage. Oh, ok, mon souvenir, je l'oubliais. Putain, c'est dur, il se meurt en plus. Ouais. J'ai l'impression que vous avez compris que c'était un rôle, hein. J'ai enlevé ma chemise de cheveux dans mon dos, donc c'est Laurent. C'est pas l'année, on est en... Lui, c'est Laurent. Moi, c'est Valérie. Ah, mon Dieu. C'était pour rigoler. Bon, c'était pas rigolant, d'accord, mais bon, pas grave. Voilà, sur ce, merci. Et au revoir. C'était beau, dans la maison, quoi, nous sommes tous. Les journalistes, c'est d'abord. Journalistique jurassique très passé. Agis tous les jours comme si c'était le 1er avril. Pour ne pas te faire avoir par ces informations parodiques ou par les hoax, plusieurs conseils. Ils possèdent des codes très caractéristiques, messages qui provoquent la tristesse, la colère ou du contenu invraisemblable.